Bonjour à tous et bienvenue dans ma série de vidéos « Je crée une école ». Bon, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai emménagé dans le mobilhome et je peux vous dire que le début de cette aventure a été rempli d'aléas. Pour vous expliquer ça, je vous propose d'aller faire un petit tour. Bon, c'est parti pour un petit tour. Alors d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves » et je suis formateur depuis maintenant 12 ans. Et là, j'ai le projet, enfin je suis en train de créer le projet, d'un centre de formation à destination des entrepreneurs, des porteurs de projets, pour être plus exact, et donc des gens qui ont envie d'entreprendre. Donc là, vous vous trouvez sur la propriété sur laquelle va se trouver le bâtiment, cette future école. Ça va être un truc de fou. Ouais, donc comme je vous le disais, quelques aléas pour ce début d'aventure, et pas des moindres. J'ai pris des risques. En fait, le risque que j'ai pris, c'est que j'ai donné le préavis du logement dans lequel j'étais. Voilà, pour certaines raisons, je ne vais pas partir dans le détail là. Mais en tout cas, j'ai pris des risques parce que j'avais conscience que je n'avais pas l'eau et l'électricité, et je suis parti du postulat de mon expérience déjà passée. Qu'en général, il faut pas énormément de temps pour être installé. Sauf que, il a fallu presque 3 mois. Donc comme je vous le disais, il m'a fallu presque 3 mois pour avoir l'électricité et pour tout vous dire, je n'ai encore pas l'eau publique. À un moment donné, il fallait bien que je m'installe parce que la deadline était donnée, il fallait que je quitte mon logement pour fin janvier. Donc il a fallu s'activer. Si on fait le bilan au moment où je tourne cette vidéo, d'un point de vue fonctionnel, on revient aux besoins de base, hein, pyramide de Maslow, j'ai de quoi me chauffer avec un poêle. La nuit, il se coupe, il n'a pas une grosse autonomie. Donc c'est pour ça que, comme vous avez pu le voir sur le thermomètre, je me retrouve avec 4 degrés, parce que là, il est au plafond, le thermomètre, donc ça donne la température du haut, parce que je relaye un petit peu avec un radiateur électrique en bain d'huile. Mais quant à moins 3, moins 4 dehors, c'est pas suffisant. Donc ouais, je me retrouve avec 6 degrés dans la piole. Ça, c'est pour le chauffage. Pour ce qui concerne l'eau, merci aux voisins, dans un premier temps, parce que je peux me connecter sur un robinet extérieur, donc ça me permet de pouvoir aller chercher de l'eau. Le truc, c'est qu'un tuyau d'eau mis à l'air, ça gèle. Et de vous à moi, vu que je me suis dit que la fin d'hiver commence à pointer le bout de son nez, j'allais pas m'embêter à faire 50 mètres de tranchée pour isoler le tuyau d'eau. Donc, j'ai une réserve d'eau en plus, de la marque Berquet, qui me permet de filtrer en plus cette eau, et ça me permet de prendre celle que vous voyez derrière moi. En somme, ça me fait 2 points d'eau, donc de ce point de vue là, je suis pas mal. Au niveau de l'électricité du mobilhome, tout n'est pas encore fonctionnel, j'ai deux prises qui fonctionnent, non, trois prises qui fonctionnent, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour le moment, je n'ai pas encore de frigo, le frigo il est à l'extérieur parce que vu que les températures qu'on a actuellement, une simple caisse en plastique suffit quoi pour mettre les aliments et enfin limite c'est même un congélateur. Je crois que je vous ai tout dit pour ce début d'installation. Donc là, février, le but c'est de finir de m'installer, installer aussi un atelier que j'ai pour avoir mon QG,
travaux. Et ensuite, c'est parti, je vais commencer les travaux avec une petite surprise, mais vous en saurez plus la prochaine fois. Si vous avez des questions par rapport au centre de formation que je suis en train de créer ou au mode de vie que j'ai, parce que pour moi, il n'y a pas photo, ça reste quand même un changement de vie radical, en termes de confort en tout cas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant de se retrouver, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao !